comprends pas. Je te dis que je vais pas bien, que j'ai besoin d'être seul. Et toi, t'invites une bande de potes que j'ai pas vu depuis bientôt 3 ans pour faire une fête? Tu m'as manqué, mon pote. Alors? Alors, on va peut-être pas rester, hein? Ah ouais, carrément. Véro arrive dans 2 jours, et moi, évidemment, j'étais censé me barrer. On voulait juste te faire une surprise pour ton anniversaire. Mais je ne veux pas fêter ce putain d'anniversaire! Merde! C'est pas parce qu'on a été potes pendant 20 ans qu'on est obligé de le rester, hein? Max, on est revenu parce qu'on n'a pas envie de vivre sans toi. Mais tu le sais bien, t'étais comme mon grand frère, pas t'es notre grand frère et tout. Je vous appelle, je vous les ai textos depuis une demi-heure! Ça fait 4 fois que Mia se réveille, hein, surtout à cause de vos cris! J'en peux plus! Max, il fait rien, il est là pour se reposer, c'est moi qui m'occupe de tout. Je vais pas dormir ici, je vais pas passer ma vie à dormir avec tes gosses. Bouge pas. Il faut qu'elle dorme. Mais Catherine, ça me fait plaisir. Mais non, voilà, chiant, Paris Poppins. Bah, tu veux pas de moi, alors? Ils ont prévu de rester combien de temps? Bah, la semaine. Oh, putain. So